de 1947 de Montréal que j'ai assemblé dans Photoshop, photo aérienne. Alors nous sommes, on est où, Chris? Ma maison est là. À date de 22, c'est normal qu'elle soit là, dans le milieu d'un champ. OK, là, je me trouve actuellement au La Fleur, sur Notre-Dame. Je serais supposé être dans ce coin-ci, là. Ici. Et là, je voulais voir si ça, c'était vraiment Dixon. Et oui, parce que c'est la GE Hot Point, puis les formes Concorde. L'espèce de gros cube qu'on voit gris, là, qui est écrit Mabi dessus, Mabe. Hot Point, puis en avant, le bâtiment en briques, qui forme un triangle vu de haut. Fait que tout le revêtement que vous voyez en aluminium, il est récent parce que la bâtisse était là en 47. C'est pas une construction des années 80. Oh, excusez, shake. Ça a l'air d'être une construction des années 80 à cause du revêtement, mais non, c'est plus vieux que ça. Et regardez comme il faut. On le voit très bien, là. Le petit triangle du bâtiment avant, le gros cube par-dessus qui est écrit Hot Point ici, Mabe. Ici, ça suit. Là, on peut voir que dans ce temps-là, Dixon, elle arrêtait là. Ensuite, ça devient comme une trail. Là, en arrière, il y a une vieille maison ici, dans ce coin-ci, puis je la vois pas. Devinez c'est quoi? Risson Mosen. Regardez ça. Là, ça monte. Là, ça tombe comme dans... C'est qu'on va domper nos affaires pour la ville de Montréal, là. Puis ensuite, comme ça. Là, mon doigt est rendu Sherbrooke puis Dixon, là, à peu près. Ici, ça, c'est le cardère. Alors, là, je suis environ ici, là, la petite flèche rouge. Je vous le montre en vrai. Alors, ça ici, il y a du trafic. Ça, c'est l'entrée de l'ancienne Canadian Steel Foundry, OK? Et là, c'est le plan, juste ici à gauche, là. Et là, ça, c'est ici, là, la traversée de train, OK? Là, on peut voir sur le plan que le ruisseau Mosen traversait Notre-Dame, en tout cas, arrivait proche par là. Sauf qu'on voit pas sur le plan si ça traverse. D'après moi, en 47, il était déjà pompé, le ruisseau. Il était pompé à peu près dans ce coin-ci où il faisait passer en dessous. J'ai aucune idée, on voit pas vraiment. Et l'autre bord, il y aurait de quoi? Bon, là, je suis rendu à mi-chemin entre les vieilles tanks qu'on voit là. Hein? Il y en a là-dedans qui datent de 1947, OK? Puis là, l'entrée de la Canadian Steel Foundry. Entre les deux, il y a le ruisseau Mosen. Puis là, il y a de quoi ici, là? Il y a de quoi ici? J'ai vu tantôt, c'est écrit valve numéro 12. Fait qu'il a été pompé, le ruisseau. Regardez ici, valve numéro 12. Et c'est pas jeune du tout. Belle petite valve. Et qu'est-ce qu'il y a dans le fond de cette affaire-là? Nous allons voir. Dans le fond de cette affaire-là, il y a de l'eau. Oh, ça fait de l'écho quand je parle pas. Il y a de l'eau, mais elle bouge pas. C'est-tu encore pompé? Oh, c'est bon. C'est beau comme image abstraite. Et juste à côté de ça, qui est rempli d'eau, qui a une valve, on a bizarrement une clôture qui fait le même S. Vous voyez là, il y a comme un S là, à gauche là. Regardez la clôture, elle fait le même mouvement. Puis c'est un. Ah, c'est plus profond, c'est pas un petit peu plus profond. Dans ce coin-là, c'est pas mal plus profond. On va aller voir. Ah ouais, il y a un ruisseau qui passe là, c'est évident. Il est juste là dans ma face, le ruisseau Mosen. Bon, ici, je sais pas si en vidéo on le sent bien, mais là, c'est très évident à l'œil nu que c'est creusé ici, là. Toutes les plantes poussent abondamment. Aussi qu'il reste de l'eau souterraine. Ah, et le ruisseau était là. Fait qu'il fait exactement le... On regarde encore. Ici, ça serait plus le bassin qui serait ici. Une espèce de gros bassin, là. C'est sûr qu'avec le temps, avec les années, ça s'est rempli de terre puis de végétation. Fait que ça paraît moins. Là, ça fait le S, comme ça, comme sur le plan. Ça revient là. Et là, ça veut dire que ruisseau Mosen traversait à peu près ici, là, où c'est que la clôture se termine. Fait qu'on va regarder l'autre bord, qu'est-ce qu'il y a? Holy crap! Oh, excusez! Il est rasé me faire rentrer dedans. Bon, là, où c'est qu'il traversait l'autre bord, ça, là? Ça a tout été asphalté, refait au moins 14 fois. Bien dur à dire. On voit très bien les belles plantes aquatiques envahissantes que mon cousin Benoît n'aime pas. Elles viennent du sud. Elle remplace les quenouilles avec le temps. Mais en tout cas, il y a de l'humidité ici, souterraine, ça c'est certain. Et là, je suis au sud-est de la petite crique qu'on voit ici à gauche. Il y a une belle roche, là. Non, c'est pas pantoute, une belle roche. C'est un restant de ciment.
Il y a une preuve que ça a été essayé d'être rempli. Que l'eau passait, là, ça arrivait de par là. Où c'est qu'on va retrouver le vestige du ruisseau Mawson plus loin que j'ai filmé dans la vidéo qu'on voit le renard. Checkez le renard du ruisseau Mawson, très bonne vidéo, on voit très très bien deux renards, une maman et son renardo. Check it out! Check it out! C'est ici qu'on tourne en avant de la fleur qui est juste là. Là, juste en face, oh oui, on le voit très bien, François. Oh, 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 oui, oh oui! Alors, le ruisseau Mawson passait dans ce coin-ci, où c'est qu'il y a ce bel arbre-là. Assez superbe d'ailleurs. Et ça, c'est pour arbre remarquable du Québec. Mais regardez! Oh! C'est quoi? Encore de la canalisation. Fait que, ben là, c'est complètement à sec, c'est vide, rempli de cochonneries. Attention, on va jusque dans le fond. Et dans le tréfonds, je vois rien. On va jusque dans le fond, puis je ne vois absolument rien. Et encore de la canalisation. Et le ruisseau est là. Je l'ai filmé la dernière fois où il y avait les renards. Il y avait des renards puis un renardeau. Que c'est ici, là. Il y avait de l'eau dedans un peu. Il y a peut-être un quart de pied dedans. Donc, wow! Là, on le voit assez bien. On dit qu'il était large, hein? Malade. OK, c'est ici qui tombe. Ça va dans les égouts, ici. Ah. Puis, là, il doit tomber dans le trou, quelque part ici, là. Malade. Il est encore très vivant, hein? Très beau. Très, très beau.